Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous rappelle, religieux, religieuses, membres de la famille de Monseigneur Vital Dédé, fidèles de la paroisse, frères et sœurs, bien-aimé, Son Excellence Monseigneur Max le Roi Mésidore est empêché. Il m'a demandé de vous saluer, de vous exprimer ses sympathies, sa proximité et l'assurance de ses prières. Mes frères, mes sœurs, il y a quelque temps, notre frère, Monseigneur Vital Dédé, ancien vicaire général de l'archidiocèse, nous a laissés. En ce jour qui ramène son anniversaire de naissance, nous venons rendre grâce à Dieu pour sa vie. Une vie donnée à Dieu et à l'Église. Une vie vécue au service des autres, au service des faibles, des petits, des pauvres. Mais une vie aussi marquée par la fragilité et les faiblesses humaines. Nous venons auprès du Seigneur pour lui confier notre frère, Monseigneur Vital Dédé, et lui demander de l'accueillir auprès
Nous allons rallier près de notre frère, Monseigneur Vital Dédé, la flamme. Nous allons déposer auprès de ses cendres des cierges, allumer des cierges. Et cette flamme qui vient du Seigneur, lumière de notre obscurité, nous rappelle que toute la vie de Monseigneur Dédé a été, à la suite du Christ, lumière, lumière pour les autres. Que cette lumière, cette flamme qui vient de Dieu, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Nous allons déposer au Père Saint de notre frère la croix. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aidés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour mon Seigneur Vital Dédé. Et pour chacun de nous. On dépose également l'aube. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fer de tes amis. Pour notre frère, pour ton serviteur Seigneur, et pour chacun de nous, nous simplement ton pardon et ta miséricorde. Yeah.
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Saint Jean, au chapitre 11, versets 45 à 56. Laisse en pile dans le juif qui te vient côté Marie avec moi, qui te voit ça Jésus te fait, je te viens en lui. Mais quelques-uns yo, à jouer le pharisien, yo dit yo ça Jésus qui fait. Comme ça, pour être chef yo, à pharisien yo, rassembler yo réunion, yo dit, qui ça l'a fait? Parce que monsieur ça a fait un pile signe. Si nous ne nous quittons pas comme ça, tout le monde a prononcé. Vous voyez, à privé, il y a plein de place dans le monde, à la nation. Chef Anissa, l'idio, nous-mêmes, nous ne pas comprenons rien, nous ne pas réfléchir, les plus bon pour nous, si nous seulement nous mourir pour peuple, pour toute nation. Bagay sa, c'est pas dans nous-mêmes sa sorti qui fait le dit. Mais comme il était prêtre en chef à Nisa, il était annoncé d'avance tant que prophète Jésus était pour le mourir pour la nation. Et puis, c'est pas nous, nation seulement, mais pour tout petit bon Dieu qui dégagne nous, pour être capable de rassembler, faire nous seuls. Comme ça, depuis jour ça, nous avons réfléchi pour nous trouver. Jésus-même a marché dans le public. La caille juive encore, mais la non-région, bon savon, dans une ville, nous les effraies, l'idée était là, ensemble avec partisans de nous. Pas juif, t'es tout pris. En pile monde, t'es monté Jérusalem, sous dans la région, pour pas là, pour être capable qu'il saint. Nous avons cherché Jésus. Nous avons parlé à Côte pendant que nous avons campé dans le calice. Ça, nous pensons, est-ce que les paris ont fait là? Pour être un chef, nous avons favorisé nous. Passe l'or pour si nous te connaissons côté lié pour te déclarer ça pour nous te capable arrêter. Nous faisons louange pour quand même là. Représentant son excellence, Monseigneur Max de Roi-Isidore,
chers frères et sacerdotes, religieux, religieuses, groupes, parents, pour ces familles qui va, pour tous proches qui sont mis, pour tout petit bon Dieu qui va sembler dans ces circonstances-là, pour la prière, pour le bon Dieu, pour ces familles, pour le monde de bon Dieu, dans les séculaires, pour recevoir dans la Issa et Mila. Pour se réveiller, eh bien, t'es vite dans le monde. C'est pas on va expliquer qui nous guide. Alors, on se demande, on nous dit de dire dans l'occasion, eh bien, nous tous, qui là, je ne te connais, on se réveille. C'est ton petit bon Dieu, faible, solide, pour nous dire que la foi, croyance, conviction solide dans mon Dieu, nous servir de toute la vie libre, et puis nous cherchons, nous avons une chance, de nous enseigner ensemble avec nous. Et puis, nous devons parler, nous devons vivre ensemble. Et tous nos confrères, prêtres de la séminaire, ensemble avec Monsieur Médé, nous tous connaissons Monsieur Médé. C'était une bombe, une solide, une vraiment, et vous pouvez vous sentir, dit un bon Dieu là-dedans. Et dit pour nous, nous avons dit un bon Dieu là-dedans, nous sentions bien. C'est ça que fait tout le monde. Au ciel et prie à S.
C'est l'amour de le sauter. Pas pour le bon chanter. Que sensible.
pour chanter aux enfants. Dieu. Même pauvre, nous parlons de la charité,
les bons dieux, même soit là, il n'y a pas de
nous faisons appel à ton. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, mais tu trouves maintenant en lui le juge dont tu n'as rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela des membres de moi. Amen.
nous retrouvons le Seigneur et l'ordre de la paix à notre temps. En ta miséricorde, nous avons du péché. Lorsque nous recevons dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne garde pas nos péchés, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers le dénom fait de la règne pour le siècle et le siècle. Amen. La paix du Seigneur. Sois toujours avec vous. Et avec votre
Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que l'amour, Seigneur, nous te supplions pour ton serviteur, mon Seigneur Vital Bédé, qui a quitté cette vie. Permets de purifier par cette Eucharistie et dégager de cette faute qu'il connaisse les joies de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et la joie éternelle de Dieu.
Il a aimé et servi les autres. C'était un homme de Dieu, un bon serviteur. Il a passé toute sa vie à servir Dieu, à servir l'Église, à servir ses frères et sœurs. Et nous savons que tout cela ne peut mourir. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons à travers la messe, nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme, et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons auprès du Seigneur dans le ciel. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et nos prières. Thank you.
avec une solution de le Seigneur qui t'a béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous vous très bon. Nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère. Dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que mon Seigneur Vital m'aider à reçu de toi cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour, de ta miséricorde et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille dans nos prières pour celui qui nous a quittés. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi. Jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, au nom de Son Excellence, le Seigneur Max de Bois-Isidore, au nom des prêtres de l'archidiocèse de Prince, au nom des archives de ces nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Monseigneur Vital Bédé et à tous les amis, les proches du défunt et à vous tous. Paroissiens de Saint-Martin et Saint-Cyr. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous donne le confort nécessaire et vous aide à tenir bon, surtout à travailler pour le ciel. Nous allons nous confier à l'intercession de la Vierge Marie. Nous allons vous confier à l'intercession de la Vierge Marie. Nous allons confier également à l'intercession.
l'intercession de notre maman du ciel, notre frère, vital, conseiller, vital, vécu, que la Vierge Marie l'accueille dans le ciel, que la Vierge Marie le conduise à son Fils, Jésus. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance.
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Rappelons-nous, frères et sœurs bien-aimés, les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur, celui qui nous a quittés, notre frère, mon Seigneur Vital Bédé. Disons ensemble, donne-lui Seigneur le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Prions, Seigneur Jésus, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. Au moment de déposer les cendres de notre frère, Monseigneur Vital Médé, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à notre frère, Monseigneur Vital Médé, de reposer en paix dans ce lieu jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux, de la clarté de ta face, la lumière sans éclair pour les siècles. Amen. Un prêtre selon le cœur de Dieu. Il était aussi légionnaire. Il était dans cette paroisse, directeur spirituel de la Légion de Marie. Nous allons, au terme de cette célébration, nous allons ensemble faire les prières de la Légion de Marie, les dernières prières. Unissons nos voix en disant, quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatant comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, mon Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend à Jana et sur ceux qui lui craignent. Et par la force de son bras. Il renverse la puissance de leur trône, il élève les humbles. Il comble le bien des affamés, par les riches et les vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatant comme le soleil. Terrible comme une armée rangée en bataille. Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Prions, Seigneur Jésus, pour notre médiation et notre mère. Tu as voulu que la pierre bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre mère, qui soit de toi.
accorde à ceux qui ont des femmes la joie de les recevoir tout de par elles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes exposés. Ô Vierge, pleine de gloire et de bénédiction, Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Saint Martin et Saint Yves, priez pour nous. Prions. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui servons sous le tendard de Marie, cette plénitude de foi en toi et de confiance en elle, qui sont assurées de vaincre le monde. Donne-nous une foi vive et animée par la charité, qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions, à un motif de prier pour toi, et de toujours te voir et te servir dans notre prochain. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher, en laquelle nous demeurons calmes et constants, au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre légion, pour nous conduire unis dans tous nos marches en avant, pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort, pour enflammer les dieux, pour appeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché. Une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans la notre légion puisse rassembler dans le royaume de ton amour. Que les âmes de nos jeunes décédés, plus spécialement, Monseigneur Vitamidé, trépassé, repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'espérance de la résurrection, que notre frère, Monseigneur Vital Médé, repose dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Victoire. Amen.